Salut à tous, c'est Vendetta Joke pour une nouvelle vidéo de Guild Wars 2 et aujourd'hui on se retrouve dans le 10e épisode de Zone et Technique de Farm, la playlist dans laquelle je vous propose la présentation de toutes mes petites zones et techniques de farm personnelles, des zones ou des techniques que je connais depuis un bon bout de temps sur Guild Wars 2 qui existent quasiment depuis le début du jeu, mais également la présentation de zones et techniques que j'ai découvert au fur et à mesure de mon expérience in-game. Donc il y a certaines des techniques que je vous présente, certes, quasiment beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, mais ça fait partie du contenu qui rentre dans cette playlist. Mais il y a peut-être des zones ou des techniques que vous ne connaissez pas, tout simplement parce qu'elles ont été découvertes récemment avec les différents patchs que connaît le jeu ces derniers temps. Voilà. Donc dans cet épisode, on va s'intéresser à quel matériau? Eh bien, on va s'intéresser à un matériau que j'ai déjà présenté dans l'épisode précédent de cette playlist, l'épisode 9, à savoir les chutes de lin. Pourquoi les chutes de lin? Bah tout simplement parce qu'encore au moment où est-ce que je vous parle, le lin est le tissu qui se revend le plus cher de tout Guild Wars 2. On peut aller vérifier ça tout de suite si vous le souhaitez. Tac. Voilà. On va taper rouleau. Voilà. Et on va regarder lequel est le plus cher. Si on classe en fonction du prix, on voit bien évidemment que le rouleau de damassé, qui est le rouleau élevé T7 de Guild Wars 2, est le plus cher, 14 PO, c'est faramineux le prix de cet item. Mais on voit que juste en dessous, il arrive loin devant le rouleau de lin à 11 PA 58. Et ensuite, vous avez le rouleau T6, le rouleau de soie, qui est à 7 PA 48. Donc le rouleau de lin est incontestablement le rouleau classique le plus cher de tout Guild Wars 2, et donc dans cette vidéo je vais vous présenter, en plus de l'épisode 9, une nouvelle technique qui va vous permettre de farmer des chutes de lin que vous allez ensuite pouvoir raffiner en rouleau. C'est vraiment une technique qui est très simple, que je connais depuis quasiment les débuts entre guillemets de Guild Wars 2, si on peut dire. Je me souviens plus exactement depuis combien de temps est-ce que je la connais. Cependant, je tiens à signaler quelque chose juste avant de vous montrer la technique à proprement parler. C'est une technique qui m'a été pas donnée, vu que je la connaissais déjà depuis un bon bout de temps, mais qui m'a été rappelée, on va dire ça comme ça, par l'un de mes abonnés à ma chaîne, dont le pseudo est Lerf King, qui a été suffisamment gentil et qui m'a montré qu'il s'intéressait énormément à mon travail et qui m'a proposé cette idée de technique de farm pour les chutes de lin en MP sur YouTube. Et vraiment, son MP doit faire au moins une trentaine de lignes, donc ça prouve vraiment, c'est extrêmement détaillé et tout. Il m'a permis de me remettre en mémoire quelques petits détails que j'avais un petit peu oubliés concernant cette technique, car je la fais pas très très souvent et pourtant elle est très très efficace, franchement. Donc voilà, même si je connaissais déjà cette technique depuis un bon bout de temps, je tenais quand même à signaler le pseudo de ce joueur, enfin en tout cas de ce youtubeur entre guillemets, qui est donc, je le répète, Lerf King. Donc merci à toi de m'avoir envoyé tout ce message pour me rappeler un petit peu cette technique. Je fais ça tout simplement pour qu'on évite de me dire « Oui, tu as volé la technique d'une personne qui t'a envoyé un MP, machin, etc. » En gros, je rends à César un petit peu ce qui est à César, tout simplement. Donc voilà, mais sans plus attendre, on va directement rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venus, mais je suis indétrônable de ce côté-là. Je fais toujours du blabla avant de rentrer dans le vif du sujet de mes vidéos. Vous commencez à y être habitué. Mais donc, cette technique, elle va se dérouler où? Eh bien, le point de démarrage de cette technique se situe, voilà, aux côtes de la marée sanglante, la zone 45-55 des humains, qui se situe, vous le voyez, juste en dessous de l'Arche du Lion. Et elle va se situer plus précisément au point de passage des Lamentations, donc qui se trouve à peu près en haut à gauche de la map de la côte de la marée sanglante. Vous vous TP à ce point de passage et ensuite vous faites le chemin que je viens de faire en pointillé pour arriver à l'île et aller parler aux PNJ de cœur qu'il y a, de quête qu'il y a juste ici. Donc bien évidemment, pour pouvoir faire cette technique, première information, vous voyez, le PNJ se trouve juste ici, là. Vous allez bien évidemment devoir terminer la quête que ce PNJ vous demande de faire pour pouvoir accéder à ce qu'il va vous vendre contre du karma. Et donc la quête, c'est soit de nourrir les petits crabes qui sont ici, soit de tuer les écailleux qui sont juste là, qui veulent dévorer
comment dire, les petits crabes qui sont là, ou alors ça va être de ramener un certain item, je crois que c'est de la nourriture de crabe ou des crabes au PNJ qui est juste ici, je me souviens plus exactement c'est quoi la quête, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas faite. Mais bon voilà, vous devez réaliser la quête pour pouvoir accéder à son contenu marchand, on va dire. Et donc une fois que c'est fait, vous vous adressez à ce PNJ. Et donc en fait cette technique, vous lui faites je peux espérer une récompense. Mais juste avant, je vais défoncer la tronche à ce joli petit écailleux. Vous lui faites, voilà, vous lui demandez ce qu'il a à vendre contre du karma, et dans cette palanquée d'items qu'il a à vous vendre, il y en a un et unique qui va vous intéresser pour obtenir des chutes de lin. C'est cet item-là, le gant de chasseur de crabe en tissu. Vous voyez qu'il vous propose les trois types d'armure en gants de chasseur de crabes, mais bien évidemment ce qu'on recherche c'est du tissu, donc vous allez devoir prendre l'armure, le gant léger pour obtenir du tissu, bien évidemment. Cependant, si on extrapole, si vous voulez obtenir du cuir ou du métal T4 dans Guild Wars 2, vous pouvez acheter soit les gants intermédiaires pour le cuir, soit les gants lourds pour le métal, ça marche également. Donc nous, la vidéo, elle est faite pour vous présenter les chutes de lin, le farm des chutes de lin, donc l'achat va se concentrer sur les gants de chasseur de crabes en tissu. Vous en avez de deux types, vous avez les verts et les bleus. Vous ne devez acheter que les bleus, et j'insiste bien sur les bleus, donc c'est la rareté chef-d'œuvre. Vous ne devez acheter que les gants de chasseur de crabes en tissu bleu, qui vont donc vous coûter 266 de karma chacun. Et en fait, une fois que vous avez ces gants, vous allez très certainement vous poser une question. Vous voyez que ces gants sont liés à l'âme dès l'acquisition. Donc là, liés à l'âme, vous allez ni pouvoir les revendre, ni pouvoir les recycler. Donc vous allez vous dire, comment est-ce que je vais pouvoir obtenir des chutes de lin avec un gant avec lequel je ne peux absolument rien faire. Bah, y a une seule chose que vous pouvez faire avec des items liés à l'âme ou au compte, c'est de les mettre à la forge mystique. Donc en fait, toute la technique va être basée sur le fait d'acheter par série de 4 des gants de chasseur de crabes en tissu bleu, et de mettre par série de 4 ces gants à la forge mystique. Et en les mettant à la forge mystique, vous avez une chance d'obtenir, une grande probabilité de chance, à peu près 90% de chance d'obtenir des gants de rareté bleue approximativement du même niveau que ces gants-là, donc du niveau approximativement 46, et ces gants ont 90% de chance de ne pas être liés à l'âme. Donc ces gants, vous allez pouvoir les recycler, et ils ont également, en les recyclant, 90% de chance de vous donner des chutes de lin. Donc après vous allez me demander quelle quantité de chutes de lin est-ce que vous allez pouvoir obtenir grâce à ça. Bah, c'est comme tous les recyclages, je vous dirais que c'est comme quand vous recyclez un gold 71 plus dans Guild Wars 2 pour obtenir des boules d'ecto, vous pouvez obtenir 0, 1, 2 ou 3 chutes de lin par gant obtenu à la forge mystique par le biais de cette technique. Donc voilà, donc si on fait un petit peu les calculs, il vous faut 4 gants comme celui-ci que je suis en train de pointer avec ma souris, que vous passez à la forge mystique pour obtenir un gant bleu que vous pouvez, dans 90% des cas, recycler, et donc pour obtenir entre 0 et 3 chutes de lin. Donc désolé, on peut pas être tranquille pour tourner une vidéo, décidément. Je suis en mode furax, là. Je suis en train de faire une razzia aux côtes de la marée sanglante. Voilà. Donc la quête c'est ça, hein. C'est juste de défourailler les écailleux très gentiment. Oui, j'aimerais bien pouvoir te reparler s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi, hein. Ça va aller, détends-toi, prends une verveine et ça va bien aller. Donc du coup si on fait le calcul, il vous faut 4 gants comme celui-ci pour obtenir vos chutes de lin. Voilà, donc en fait qu'est-ce que ça va vous coûter? Vous voyez que ça va vous coûter 0 en argent, simplement du karma. 266 de karma par gant, donc si on fait x4, ça va vous faire 12, ça va faire 120, ça va faire 132, ça va faire 800, 900, non, je me suis planté quelque part, 4 x 266, si c'est ça, 4 x 266, ça va vous faire à peu près, oui, dans les 800, 900, 932 de karma normalement.
va faire approximativement ça. Je suis pas super fort en calcul mental, surtout là, d'office comme ça. Oui, ça doit faire 932 de karma. Au pire, je mettrai dans la description si je me suis planté. En gros, 932 de karma, et vous avez des chances d'obtenir des chutes de l'un, tout simplement. Sachant que le karma dans Guild Wars 2, même s'il a été patché il y a très longtemps et que c'est beaucoup plus difficile de s'en faire aujourd'hui, avec la lisière ou le fractal, vous pouvez vous en faire une sacrée palanquée. La personne qui m'a contacté par MP sur YouTube m'a dit qu'il fallait entre 17 et 18K de karma pour mettre tout un inventaire full avec 5 sacs de 20 emplacements sur son personnage. Donc 100... En gros, il fallait à peu près 17 à 18K pour avoir 100 gants bleus auprès de ce marchand. Voilà. Donc moi, je vais cramer tout mon karma pour en acheter. Je crois que j'ai de quoi en acheter à peu près 3 séries. Pour vous montrer, et je vais vous faire ensuite l'exemple à la Forge Mystique de ce que je viens de vous présenter théoriquement. Voilà, donc j'en achète vraiment le maximum que je peux acheter. Tac, je blinde, tout simplement. Voilà, on est bientôt arrivé à la fin. Voilà, je ne peux plus en acheter. Et j'en ai obtenu au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Donc 14, je peux faire 4, 3 essais à la Forge Mystique. Et donc sans plus attendre, je vais me rendre illico presto à la Forge Mystique. Voilà. On attend le magnifique temps de chargement, surtout à cette heure-là, pour l'Arche du Lion. Je sais pas trop, je sais jamais quoi dire pendant les temps de chargement, quoi vous faire. Je vais pas vous faire une petite danse comme ça, genre vas-y, je meuble un petit peu le temps de chargement. Ah, c'est longué quand même. Encore une fois, c'est pas mon PC. Je veux dire, voilà, j'ai assez de RAM, j'ai assez de trucs comme ça. C'est une bonne machine qui le fait tourner le jeu en ultra. Donc, niveau chargement, ma connexion est vraiment potable, on va dire. Donc, je sais vraiment jamais quoi faire pendant les temps de chargement. Enfin bref, donc une fois que vous avez vos gants bleus de chasseur de crabes en tissu, vous allez à la Forge Mystique comme je vous l'ai dit et vous placez tous vos gants à l'intérieur 4 par 4 et vous faites forger. Et donc là vous obtenez des gants comme ceci qui, comme vous le voyez, ne sont plus liés à l'âme. Donc des gants que vous allez pouvoir recycler, tout simplement. Donc je vais faire mes 3 essais comme je vous l'ai dit. Forger, lui il est pas lié à l'âme non plus, c'est nickel. Hop, et j'en place une dernière série. Forger, voilà, c'est impeccable. Et vous faites accepter. Une fois que vous avez ces gants, et bien pour obtenir vos chutes de lin, comme ils ne sont plus liés à l'âme par le biais de la forge mystique, vous allez dans votre inventaire, mes 3 gants sont ici. Vous prenez un nécessaire de recyclage. Apparemment, le bleu ou le vert suffisent pour cette technique. Moi, je dirais plus le vert pour vraiment garantir le drop du lin. Moi, personnellement, avec un nécessaire gold, j'ai fait 2 essais avant la vidéo, ça a marché. Donc, j'espère, pas comme pendant la vidéo précédente, que là, ça va marcher. Croisons les doigts. Et donc, on recycle. Voilà, vous voyez, 2 chutes de lin, 2 encore, et là, 3 chutes de lin. Donc là, vous voyez que j'ai obtenu 7 chutes de lin et on peut directement aller voir ce que les chutes de lin coûteraient, me donneraient en PA tout simplement, à l'HV, si l'HV veut bien marcher, merci beaucoup. Voilà, 7 chutes de lin, 30 PA 45. 7 chutes de lin, c'est 2 rouleaux, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce qui vous ferait à peu près dans pareil dans la trentaine de PA. Voilà, en l'espace de, j'ai pas mal blablaté pour vous expliquer la technique, mais en l'espace de, allez, une minute à tout péter, faut compter les temps de chargement. Du troll, oui, un petit peu quand même. Et en une minute environ, en quelques clics, vous, en dépensant 0 PA, vous vous en êtes fait 30. Si votre objectif, c'est de vous faire de l'argent. Mais très sincèrement, le taux de drop est tellement relatif avec cette technique que je vous conseille vraiment de garder ces chutes de lin pour les raffiner en rouleau et pour les utiliser pour le craft de votre rouleau de damassé et donc de faire des items, des armures élevées. Ou alors d'utiliser cette technique en complément des autres que je vous présente dans cette série ou dans la série objectif élevé pour vous faire le rouleau de damassé et donc là, avec le rouleau de damassé, vous faites vraiment pas mal de bénéfices d'un seul coup, d'un coup brut.
Mais donc voilà, je vais faire un petit résumé quand même de cette technique vite flash. La technique commence ou dans les zones où est-ce que vous farmez habituellement le karma, donc je vous conseille lisière ou fractal, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez environ 17-18K de karma, vous pouvez y aller avec moins, mais 17-18K, ça va vous permettre d'acheter 100 gants que je vous ai présentés. Vous vous rendez à la côte de la marée sanglante, 45-55, juste en dessous de l'Arche du Lion, au point de passage des Lamentations. Vous suivez, hop, ce... Oups, je me suis trompé de bouton. Misclic. Vous vous rendez à ce PNJ qui est juste ici. Voilà, le marchand de cœur qu'il y a là. Vous lui achetez des gants de chasseur de crabes en tissu bleu. Et j'insiste vraiment encore une fois sur le bleu, car les verts vont vous donner non pas du lin, mais de la soie majoritairement. Ils vous donneront un petit peu de lin, mais principalement de la soie. Et ensuite, une fois que vous avez votre collection de gants bleus, vous allez à la forge mystique, juste ici, vous placez vos gants 4 par 4, vous faites utiliser et vous avez 90% de chance d'obtenir un gant bleu de niveau environ 50-55, ça oscille entre ces niveaux-là, qui n'est plus lié à l'âme, contrairement à ces gants-là. Et ces gants que vous obtenez par le biais de la forge mystique, vous les recyclez avec un nécessaire vert ou gold. Et vous avez donc des chances d'obtenir entre 0 et 3 chutes de lin. Si vraiment vous vous investissez pour le farm de votre karma, que vous avez environ une centaine de gants sur vous, donc votre inventaire complètement full, je pense que vous pouvez quand même vous faire une très très bonne quantité de chutes de lin et donc de rouleaux grâce à ça. Je pense que véritablement, les 17-18K en lisière, vous les faites en, selon l'efficacité de votre groupe, on va compter à peu près une heure. Mais c'est vraiment dans les très très grandes largeurs. Moi, même sur Foranic, on n'est pas les leaders en MCM, loin de là, en une heure, je me fais environ 23-25K de karma. Donc du coup, en une heure, vous faites easy les 17-18K, c'est-à-dire qu'en une heure, vous avez, à mon avis, largement de quoi en rouleau de lin, de quoi faire votre craft de rouleau de damasser tous les jours. Vous couplez cette technique-là à la technique de l'épisode 9 d'aller farmer les draguères aux falaises, d'entre-draguères, et vous avez à mon avis carrément, mais là, de easy poney, comme j'aime le dire, ce qu'il vous faut pour faire votre craft quotidien du rouleau de damassé en rouleau de lin, tout simplement. Mais donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions complémentaires concernant cette technique, un point qui n'a pas été très clair de ma part, n'hésitez absolument pas à les poser en commentaire de cette vidéo, c'est là pour ça. Dernière autre petite précision, je sais qu'en ce moment je suis pas beaucoup, voire même quasiment pas présent sur ma chaîne, mais la raison est toute simple, je l'ai déjà dit à certaines personnes qui m'ont posé la question en commentaire ou par MP sur YouTube, je bosse énormément en ce moment, j'ai des journées de malade, je bosse quasiment 11 heures par jour, du tôt le matin jusqu'à assez tard le soir. Donc du coup, j'ai pas trop l'occasion le soir, je suis vraiment relativement claqué pour tourner des vidéos et même pour jouer. Donc du coup, voilà, c'est assez compliqué en ce moment, mais dès la rentrée scolaire, normalement, je devrais reprendre un rythme plus convenable pour les vidéos. Donc voilà, merci encore une fois de votre fidélité, car mine de rien, on aborde les 900 abonnés, j'en suis à 870 au moment où je vous parle. C'est énorme, donc encore une fois, merci à vous, merci de votre fidélité. Autre point de détail, n'oubliez pas non plus que ma guilde est en cours de recrutement. Vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers la vidéo de présentation de ma guilde et de la présentation du recrutement par la même occasion. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez absolument pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des pouces verts, à laisser des commentaires, à partager cette vidéo autour de vous, Facebook, Twitter, Google+, petit tour sur ma page Google+, ajoutez-moi à vos cercles pour vous tenir les premiers informés de mes nouvelles actualités sur ma chaîne. Mais donc pour ma part, je vais vous laisser ici en vous souhaitant à tous une très très bonne soirée, un très 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 bon jeu, et je vous dis... A plus tout le monde! Ciao ciao!